Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la suite de The Vanishing of Ethan Carter. Et nous avions fini l'histoire avec l'autorail. Donc je pense que maintenant, on peut pleinement s'investir dans l'histoire avec le spationaute, le cosmonaute, l'astronaute. Appelez ça comme vous voulez. Toujours est-il que, à part une cinématique dans l'espace, qui fut ma foi très agréable, n'hésitez pas à aller voir le premier épisode pour la retrouver. On n'a pas eu grand-chose là-dessus. Si, j'ai coursé un mec. C'est pas mal. Et ça a fait apparaître ceci. Bon. Maintenant, je crois pas qu'on puisse vraiment ajouter. On l'a lu ça? La bête avait des crocs, mais elle était lourde et lente. Alors, quand elle vit la lumière dans les cieux, elle attendit, pensant que la lumière finirait par s'estomper, comme les autres avant elle. Lorsqu'elle vit qu'il en serait autrement, la bête se leva sur ses pattes et s'approcha de l'endroit où le feu brûlait encore. Alors que la lumière orange s'éteignait, une autre prenait sa place. Celle-ci était bleue. Une fois pure brillant, un bleu pur et brillant que la créature n'avait vu qu'aux abords des étoiles. La bête montra les crocs et la lumière disparut. Un instant plus tard, la lumière réapparut entre deux arbres éloignés. La bête voulait rentrer chez elle, mais elle ne pouvait pas ignorer la lumière. Elle la poursuivit alors plus loin dans la forêt. La lumière finit par s'éteindre dans une clairière. La bête entra dans le cercle sans crainte. Les arbres se tournèrent vers la bête, pointant vers elle, telles les aiguilles. Mais les cimes des arbres s'abaissèrent et s'enfoncèrent dans le sol. Les troncs et les racines s'élevèrent pour former un mur autour de la bête. Alors que le sol disparaissait, la bête s'aperçut qu'elle ne pourrait jamais plus se servir de ses crocs. Oui. On cherche donc des lumières. Une orange, une bleue. Et c'est tout. Alors qu'est-ce qui pourrait faire de la lumière? On avait vu un feu de camp, il me semble. Peut-être qu'on peut y retourner. Puisque c'était pour imager le feu, c'était la lumière orange. On doit pas être très très loin, il me semble. Ah, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Écoutez, j'enregistre à la suite du premier épisode. Du coup, c'est un peu frais dans ma tête. Mais j'aime bien faire ça. Souvent, je fais deux épisodes à la suite. Histoire de pas trop me perdre dans mes pensées. Et puis, comme ça, je sais déjà que j'ai fait au moins presque 1 heure, tu vois, sur le jeu. Comme ça, quand je reprends, si je suis vraiment nul, je me dis, oh, t'as passé 1 heure dessus et là, tu sais plus jouer. Voilà, c'est une façon de se motiver comme une autre. Le feu de camp. Mais allez donc. Oh là là. C'est quoi ces arbres là? Il y a tant de vent que ça? Ou juste ils sont sur le point de s'effondrer? Ici ça a l'air pas mal, hein. Je pense qu'on peut avoir une belle vue. La lumière bleue, ce serait donc quand il fait nuit. Pour les étoiles, comme ils ont dit, mais. Bon, là, il a l'air de faire quand même pas mal jour. Pourquoi tous les arbres ont ce truc-là? Il y a plein de hiboux. Je ne sais pas ce que je cherche. Ça, c'est le problème, c'est que c'est le genre de jeu que j'adore. Mais alors, pour les faire en vidéo, c'est une galère parce que souvent, vu que je cherche, je parle moins. Et au niveau animation, bah, c'est catastrophique. Bon, au moins, on a une petite ambiance. Je sais pas si ça rendra bien ce mix du volume.
C'est assez dur parce que sur console, on n'est pas aidé comme sur les PC pour régler son micro ou des choses comme ça. Faut vraiment le faire à l'oreille. Et il suffit que tu aies une audition discutable comme moi pour faire des réglages un peu pourris. Là, si ça se trouve, musique et le vent sont super forts et on m'entend pas du tout. Ou si ça se trouve, c'est tout l'inverse. On n'entend que moi et c'est triste. Bon. On va retourner à la gare, on va continuer par là. Ça c'est quoi? Ça j'ai cru que c'était pierre tombale ou... Il y aura sûrement quelque chose à la gare. Peut-être que le fait d'avoir fini la première histoire, ça change quelque chose. Ça débloque des éléments, que sais-je. Bah voyons. Toujours rien. Petit poteau qui te permette de pas aller mourir. Habile, pour le moins. Tiens, tiens. La cabane du... de l'aiguilleur. J'allais dire du dérailleur. Have been through here for a long time. That was part of a pattern. Large pieces of this country were thrown away, doomed to become and then remain the worst versions of themselves. Beneath all that rot, dark things grow. C'est pas très enthousiaste. Tu es vachement pessimiste, mon pote, le ringos. Et bah oui. Alors là, je suis désappointé. Je sais pas du tout ce que je cherche. Puisque la cabane là, elle est condamnée. Ces conteneurs de marchandises, pas l'air de pouvoir faire grand-chose avec. C'est quoi? Hein? Oh, ça tire un peu la gueule quand même. Ça tire un petit peu la gueule, la PS4. Putain, mais le jour où on aura des beaux jeux sur console, ça fera vraiment plaisir. Hein. Sans clipping, sans rien. Bon, bah, on continue, écoutez. Au pire, si je finis l'histoire, j'irai voir comme pour The Hill. S'il y a des trophées masqués, histoire de... Bah là, tu dis rien? C'est un cœur ça ou... Ou je rêve? Non. Ah, en fait j'ai peut-être menti. C'est peut-être pas du tout des endroits qui existent dans le monde réel parce que sur les quatre murs il y a exactement les mêmes pierres. On nous aurait menti. Aurait menti. Bon, bah on va aller voir vers le pont, mais juste avant, j'ai envie d'aller jusqu'au bout des rails. Ok, je sais pas pourquoi j'ai cru voir un rocher en forme de madeleine. C'est vachement bizarre quand même. Putain, mais il y a plein d'endroits où j'ai envie d'aller. Et je sais que ça mène à rien. Mais quand même. C'est plus folle que moi. Là, c'est un requin. Je suis apaisé par la musique. Je
sur le point de me rendormir en fait. Bon, rien. Mais ici, il y a forcément quelque chose. Tu peux pas juste modéliser un endroit pour rien. Enfin, je sais pas. Donc c'est ça que j'ai pris pour une Madeleine. Jean le con. Bref. Bah on avance. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? I've seen every version of people hurting each other, hurting themselves, and we blame it on compulsion, selfishness, madness. I suppose the idea is, if you name a thing, you can control it. There are things in this world that cannot be named. Eh, c'était pas mal, non? Ce petit travelling là. J'ai essayé quelque chose. Vous me direz dans les commentaires si ça a bien rendu. J'ai essayé de faire un truc, je me suis dit, il va y avoir sûrement un coucher de soleil ou quoi. Et c'était le coup. C'était le coup, là. C'est beau, hein. Je te dis pas que si j'y étais sur place, je me ferais pas chier. Mais au moins, c'est beau. Je sais pas pourquoi je m'attends à trouver quelque chose sur les bancs. Ça, on dit à la maison de... The What Remains of Edith Finch. Peut-être un jeu que je ferais... bientôt sur la chaîne. Si j'arrive à finir celui-ci déjà. Mais bon. J'ai quand même l'impression qu'on a raté l'histoire du cosmonaute là. Down down the hill. Down down the hill. GR. Non, c'est J, le J. Mais si le J c'est le S. Comment fait-on? C'est la maison qui aurait brûlé du coup. Pardon. On va peut-être lire. Alors, j'invoque le désossé, l'élu du néant, le destructeur de vaisseaux et celui qui, celui que craignent les vents. Entends-moi, ô grand démon Focalor. Je veux pactiser avec toi pour confondre mes ennemis et protéger mes possessions. Utilise les portes de la confusion pour brouiller leur jugement, bloque le chemin de par la duperie et la tromperie, et permet seulement à ceux capables de discerner le véritable intérieur de passer. Eglon tétragramme, version stimulamasson, esphérès, tétragmaton... beaucoup. Ah, c'est du latin. Je connais. Ouf. Qu'est-ce que ça me donne comme indice? Mais qu'est-ce que je fais là? Putain, les musiques sont cool. Hein. Mais que faire? Que dire? Comment tu veux que je sache lequel est bon?
Ça m'a l'air d'être plus ça. Je fais un truc. Mais comment je peux savoir? Ok. Ah. Ok, je l'ai. Mais du coup, la salle à manger, ce serait pas là. Ce serait ça. Ah, il y a une autre pièce ici. Voilà, ça. C'est super dur. Je m'étouffe. En haut, ce serait la suite. Non, mais ça me paraît super grand. Tu crois que le merde, comment on appelle ça? Que le... Allez! Le hatic, le grenier. Tu crois que le grenier, ce serait comme ça? Je sais pas si ça doit refléter ou... Et d'ailleurs, comment je sais si j'ai bon ou non? Cette pièce, ça servira à rien. C'est quand même dramatique. Mais je comprends pas. Plus de musique. Ah, ça veut dire que j'ai perdu. Mais c'est infini! Mais ça va suffire, oui! Bah, et là, je suis. Mais où est-ce que je suis? Oh, c'est beau! C'est beau, mais. Ça m'explique pas comment je trouve la réponse. Ouf. Sont rudes les marches. Ah, il faut que je retienne. Je peux même pas aller voir. Ma foi. Mais il n'y a pas d'indice en fait. Je pourrais mettre n'importe quoi. Tu vois ou pas ce que je veux dire?
Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Franchement, j'en ai aucune idée. La maison n'a pas l'air si grande de l'extérieur. Mais à part le refaire en boucle et en boucle, comment tu trouves la solution? Merde, et comment on descend ici? Bon, je suis pas plus motivé que ça pour aller faire des pièces les unes après les autres sans aucune logique, j'ai envie de dire. C'est quoi? C'est de la déco selon mon envie? Je suis Stéphane Plaza, les mecs. Tu vois, c'est encore les mêmes dispositions de pierre avec le cœur. À mon avis, ça ne sert à rien. On doit manquer d'indices. Ça doit être ça qui pèse dans la balance. T'imagines si genre toutes les maisons, c'est ça? Alors, il faut trouver la bonne entrée. Ah, faut refaire celle-ci. You can feel it, right? Fais sursauter. Something coming from the Vandegrift house. I can feel it. Ethan destroyed. Non, c'est celle-ci qui a What did you do? Qui a What cramé. Did you wake up? Nothing. I found a room. I walked into it. That's it. Ok. You need to talk to your La cuisine, j'avais bon. He was poking around in the old Vandegrift house again. Said he found some secret room. Hmm. Yeah, really? Okay, I will go talk to him. Mais quand bien même j'aurais une mémoire incroyable. Pop, they're getting worse. They keep talking about this thing, this sleeper. I know. What I don't know is if it's real or not. Travis, leave the boy alone. I see how you've been looking at him. You don't even know, do you? You have no idea what's going on. C'est du speedrun, ça? C'est une technique pour speedrun, je connais. Attends. Ok. Et voilà, je suis bloqué. Le mec vraiment nul. Ici, ils disent rien. You have to help us. It's the only way. It wants Ethan. You're crazy. You've all gone crazy. C'est agréable, hein, mais c'est du fait de l'ambiance, c'est pas du fait de l'histoire. Moi, je comprends rien. Après, c'est peut-être limpide. It's not my fault. I didn't mean for any of this to happen. Ethan's family blamed him. Whatever it was he'd accidentally let loose, his family was convinced that hurting him would solve their problems, would soothe their disturbed minds. Whatever haunted the Carters was still here somewhere, in the wind. Mm-hmm. Okay. Du coup, on peut aller faire le puzzle dans l'autre maison. Pff, par contre, pour m'en souvenir, c'est chaud, les mecs. Hein. Sans déconner, c'est chaud. Je vais essayer.
Mais du coup, quand je les mets au... On va dire, quand je mets la bonne porte au bon endroit, est-ce que je dois aller dedans après pour vérifier ou pas? Parce que j'ai un trophée home. Mais maintenant... D'accord, donc à gauche c'était la cuisine. Ok. Ici. Je sais plus. C'était ça? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Je suis en train de m'étouffer. Ouh, j'étais en train de m'étouffer d'un coup. C'était ça. Hein. Ok. Et là. Oh damn, je sais plus. J'ai retenu une pièce en fait. C'est... Ah, je sais plus gros. Eh, j'ai envie d'utiliser mon Joker parce que là... Ethan Carter. La maison des portails. C'est un peu triché, voire totalement. Mais... j'ai aucune mémoire sur les pièces, hein. Et on avait une pub super longue. Ah, le jeu était moche avant, hein, par contre, j'ai l'impression. Donc tu vas là, hop. Il fait à gauche la cuisine. Ok. Ce que je vais faire, c'est redescendre. Je vais faire exactement comme dans la vidéo. Barley steak. Donc c'est celle-ci. Ah ok. Ah oui non mais c'est bon, je commence à me repérer. Là, c'est sûr qu'avec la solution c'est beaucoup plus facile, mais pourquoi ils auraient fait deux maisons à l'identique en plus? Ok, là c'est bon. Vous allez voir que c'est assez incroyable. Là il faut les escaliers. On dirait que je suis trop fort, hein, mais non. Attendez, parce qu'il va vite là. Hein. Dans la vidéo, en fait, il trace comme moi quand je joue. C'est assez difficile à suivre. Hein? Comment il a fait ça?
C'est... Je suis obligé de remettre en arrière. Donc là, il s'en va. Il est à la porte identique à la nôtre. Ah, d'accord. Ok, ok, ok. Ah ouais! Putain, balèze. Franchement, sans astuce, j'aurais jamais trouvé. Et c'est même pas pour faire genre ou quoi, c'est... J'aurais pas trouvé. Voilà, cette énigme avec les portails est terminée, j'espère en tout cas. C'est dégueu. Bon, heureusement la texture est pas HD. Ok, on va lire ça. Why are you standing there? You spying? No. No. What the hell's wrong with you exactly? Nothing. You need to stop leaving your stupid stories around. They're freaking everyone out. Behind the veil. Ce qui veut dire derrière le veil. Simone Veil. Putain, c'est vrai que ça lit pas automatiquement. L'incendie révèle une opération de contrebande d'alcool par Daniel Josephson. Comté de Bailey, les pompiers volontaires de la commune d'Ashland ont découvert de l'alcool de contrebande alors qu'ils combattaient les flammes dans le bois de Old Ogden Road. D'après les autorités, l'alambic était composé d'un réchaud à gaz et d'une marmite en acier inoxydable de 45 litres. Il était utilisé pour contenir le mou du whisky. D'après la taille de l'alambic, Hank Shaffle, le shérif de comté de Bayfield, penche pour un petit trafic, même s'il admet qu'il puisse y avoir d'autres alambics dans le comté. La NASA lance le satellite ATS-6. Cap Canaveral, en Floride. La NASA a lancé aujourd'hui depuis la Floride celui qu'on appelle le premier satellite éducatif du monde. Il va donner aux États-Unis une avance considérable en matière de télécommunications. Le satellite de Technologies Applicative, ATS, pour Application Technology Satellite 6, diffuse directement des programmes éducatifs dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Canada, l'Inde, l'Australie. La NASA pense que ce satellite va rester en contact permanent avec la Terre pendant au moins 5 ans. Yay! Ben, j'ai mis accepter. Qu'est-ce qu'ils entendent par accepter? Il était une fois un magicien qui vivait dans une vieille maison et qui fabriquait des potions qui le permettraient de voir l'avenir. Les gens du village se rendaient à la maison du magicien pour réclamer ses potions. On veut voir l'avenir, nous aussi, lui disait-il, mais le magicien refusait. Les gens du village en colère brûlèrent la maison du magicien, mais le magicien, sachant ce qui allait se passer, avait déjà jeté un sort sur la pièce où se trouvait la potion. Toute la maison brûla, sauf cette pièce. Les gens de la vallée attendirent, mais le magicien ne sortit jamais. Ok. Oula, ah oui, on est là. Ça, je me dis, mais je suis perdu dans cette maison, c'est incroyablito. Du coup, mais du coup, elle est toute petite la maison. Bah, c'est fait, hein, Mass Effect. Je pense que je vais aller au prochain truc, puis on s'arrêtera tranquillement. Sachant que le prochain truc, no sé où c'est. Je me rappelle à l'époque qu'il y avait une sorte de d'autres villages mais avec une église. Enfin du moins avec un clocher.
Et ouais, c'est tout ce que je sais. Donc c'est peut-être là-bas. Je vois un truc blanc. L'ambiance est cool, hein. L'ambiance est vraiment pas mal. Mais peut-être qu'on reviendra prochain épisode au truc de l'astronaute, parce que j'ai l'impression d'avoir raté. I've stepped through too many portals, been present in too many worlds simultaneously. Bits and pieces of me stay on the other side, waiting. Whenever I return, to bring parts of those worlds back. Do you know what ghosts are? They're sad, evicted things. Memories without homes. C'est bien dit. Attends, tout à l'heure on était là-bas. Huch! Je vous garantis pas qu'on va retourner à l'astronaute du coup. C'est super long. Et encore là, je suis en train de courir, du coup ça passe. Putain, j'adore les forêts de sapins. C'est peut-être pas des sapins, ça, je vais me faire taper sur les doigts, mais. Mais j'adore les sapins. Les conifères. Mais il y a trop de chemin! Comment je sais où je vais? Et là, on va juste retourner aux maisons, tu sais. Truc un peu nul. Non, il doit y avoir quelque chose. Par contre, v'là quand t'es vieux pour aller chercher ton pain, là. Compliqué, hein. Compliqué le bail. What do the dead have to say? You'd be surprised by how little they know. The dead can't explain what it means to be dead. They walk down stairs that disappear beneath their feet, headed for some bright blade of memory they'll never reach. Oui, mais les morts ne parlent pas, voyons. Donc comment vont-ils nous apprendre tout ça? Putain, mais c'est infini, le décor là. Non, c'est bon, ça s'arrête là. C'est infini quoi, le truc. Ah, voilà. Il y a un clocher. Je me disais bien. Du coup, aucune idée si on est proche ou loin de la fin. Il me semble que le jeu est quand même un petit peu long, quoi. Plus que Hill. Parce que Hill, c'était genre... c'est quoi? 3 vidéos. La dernière de 20 minutes, la deuxième de 30 minutes, et la première, je sais plus. Aux alentours de 40. Un cemetery. Et bah comme promis, on va s'arrêter ici. J'espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci et à très vite. Ciao.